Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a salué la position espagnole en faveur de l'intégrité territoriale du royaume, annoncée officiellement dans la lettre envoyée par le premier ministre espagnol au roi Mohamed VIII, hier, vendredi, contributeur dans le désert. Nous partageons la position exprimée par l'Espagne hier sur la question du Sahara et ses relations avec le Maroc, a déclaré Ned Price dans un communiqué de presse, aujourd'hui samedi. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a souligné que l'initiative marocaine est sérieuse, réaliste et crédible. Il est à noter que le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Alpari, a souligné lors d'une conférence de presse à Barcelone, qui s'est tenue hier, que son pays entre dans une nouvelle phase des relations avec le Maroc et nous fermons définitivement une crise avec un partenaire stratégique. Il a souligné que cette nouvelle phase sera fondée sur le respect mutuel, le respect des accords, le non-recours aux mesures unilatérales, la transparence et la communication permanente. Une déclaration du ministère marocain des Affaires étrangères à la suite du message espagnol a déclaré que Rabat apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne sur la question du Sahara marocain, qui ont été inclus dans la lettre qu'il a adressée au roi Mohamed VIII, le premier ministre espagnol. Le communiqué précise que les phrases contenues dans cette lettre permettent de concevoir une feuille de route claire et ambitieuse dans le but de s'engager, de manière durable, dans un partenariat bilatéral dans le cadre des nouveaux fondements et déterminants évoqués dans la déclaration du roi Mohamed VIII. Discours du 20 août. Dans ce discours, le roi Mohamed VIII a appelé à l'inauguration d'une étape nouvelle et sans précédent dans les relations entre les deux pays, sur la base de la confiance, de la transparence, du respect mutuel et du respect des engagements. Dans le même contexte, Manuel Valls, l'ancien premier ministre français, a salué la nouvelle position espagnole concernant la marocanité du Sahara comme une décision étonnante et stratégique. Valls a fait l'éloge dans un tweet sur son compte Twitter, le gouvernement Sánchez a pris un virage surprenant et stratégique, qui est une décision bienvenue, en considérant l'initiative de Rabat pour l'autonomie du Sahara comme la règle la plus sérieuse, réaliste et crédible. Le responsable français équilibré a souligné que cette décision était bonne et qu'il était nécessaire de rétablir la relation constructive avec le Maroc.